Salut, je m'appelle Anna et j'ai 21 ans. C'est difficile à croire, non? Il y a une raison pour laquelle je ressemble à un enfant. Tu veux savoir ce que c'est? Alors laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pendant que je te raconte tout ça. Quand j'étais bébé, j'ai été abandonnée à l'orphelinat et je ne connaissais rien de mes parents. Malgré ça, j'étais heureuse. En plus d'avoir toujours eu l'air un peu plus jeune que les autres, j'ai aussi arrêté de grandir après avoir eu 12 ans. Un scientifique appelé Dr. House avait l'air intrigué par ça. Il était brillant mais aussi un peu... chelou. On dit que tous les génies sont un peu fous, non? En tout cas, il m'a examinée à sa clinique et m'a diagnostiqué une maladie congénitale rare. J'ai de mauvaises nouvelles, Anna. Tu vas toujours ressembler à un enfant. Attendez, vous voulez dire que je grandirai jamais? C'est ça. Je suis désolée. C'est génial! J'étais aux anges! Genre, pourquoi je voudrais grandir? Je devrais aller à la fac, travailler et être responsable. Merci, mais non. J'ai décidé de profiter de ma situation et j'ai demandé de l'aide au Dr. House quand j'ai eu 17 ans. Tu pourrais me faire une fausse pièce d'identité? Qui dit que j'ai 12 ans? Je pourrais juste déménager dans un autre orphelinat et continuer à vivre comme un enfant insouciant comme ça? Le doc a accepté de m'aider, vu qu'on était devenus de bons amis ces dernières années. Tu sais, un peu comme Rick et Morty, sauf que nous, on n'avait pas d'aventure folle. Mon plan a marché et j'ai déménagé dans un autre orphelinat. Puis encore un autre. Bientôt, j'ai eu 21 ans. Mais je ressemblais toujours à un enfant. Le Dr. House m'aidait à tromper tout le monde. Voici ta nouvelle pièce d'identité, Anna. Merci, Doc. Je n'avais pas à payer pour de la nourriture ou un appartement. Ce qui était génial. Mais j'ai vite réalisé que je voulais plus. Par exemple, je voulais conduire une voiture stylée, voyager autour du monde ou aller à des concerts. Bien sûr, je n'avais pas l'argent pour ça. Alors, quand un couple riche est venu chercher à adopter un enfant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour attirer l'attention de monsieur et madame gros portefeuille. Enfin, je veux dire, monsieur et madame Clark. J'adore aussi le football et je suis la meilleure élève de la classe. Quelle fille intelligente! Un vrai bijou. Bientôt, je les avais complètement charmés. Mes nouveaux parents adoptifs m'ont amenée dans leur manoir. Et ils me donnaient amour, soutien et surtout de l'argent. Ah, alors ça, c'est la vie. Une enfance éternelle, aucune responsabilité. La vie était parfaite, jusqu'à ce que monsieur et madame Clark m'emmènent faire du shopping. On se baladait dans le centre commercial, quand les flics se sont précipités vers nous, m'ont menotté et m'ont traîné au poste de police. Mes parents inquiets m'ont suivi là-bas et un officier m'a expliqué pourquoi j'avais été arrêtée. On sait que t'as volé un collier dans une bijouterie, on a même des témoins fiables. J'étais sur le point de faire une crise de colère quand il a sorti un collier cher de mon sac à dos. J'étais perdue. Le flic a dit que je devrais attendre le procès en prison. Ne t'inquiète pas Anna, on va te sortir de là. On va engager les meilleurs avocats. Qui a été récupéré. Après m'avoir dit ça, mes parents sont partis. On m'a donné une robe LED et on m'a envoyé en prison. Imagine ma surprise quand j'ai réalisé que c'était une prison pour adultes. Hé, je devrais pas être ici. Je n'ai que 12 ans. On sait que t'es une menteuse. On a fait nos recherches et on a découvert que t'as déjà 21 ans. Tu faisais semblant d'être un enfant pour cambrioler des magasins, n'est-ce pas? Eh bien, Anna, tu ne vas pas sortir d'ici de sitôt. Les choses n'allaient pas mieux après ça. Je pouvais qu'espérer que mes parents tiendraient parole et me sortiraient de là dès que possible. En tout cas, les autres criminels ont dû se dire que j'étais un bébé impuissant, facile à intimider. Hé, la naine, donne-moi ton pudding. Mais je leur ai montré qu'ils s'en prenaient à la mauvaise personne et je les ai vite remis à leur place. Qui d'autre veut mon pudding? Personne? C'est ce que je pensais. Un jour, j'ai vu une détenue bizarre appelée Nicole pendant qu'on se promenait dans la cour de la prison. Elle était énorme et musclée comme une athlète. Malgré ça, elle sanglotait comme une petite fille. Je veux rentrer chez papa. Ça a piqué mon intérêt. Je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé si elle faisait exprès de se comporter comme ça. Je n'ai que 14 ans en vrai, mais j'ai l'air plus vieille que mon âge. Et tout le monde pense que je suis déjà adulte. Bon sang, mais pourquoi t'es là alors? Nicole a reniflé et elle m'a raconté son histoire. Il s'est avéré que la nouvelle femme de son père a essayé de l'abandonner dans un orphelinat. Heureusement, Nicole a réussi à échapper à sa méchante belle-mère. Malheureusement, elle s'est perdue dans la ville après ça. Je n'avais ni argent ni téléphone avec moi. Alors j'ai juste erré dans les rues en attendant que papa me trouve. Mais j'ai eu faim et j'ai volé de l'argent pour m'acheter à manger. Nicole a été attrapée et envoyée en prison. Personne ne me croit quand je dis que j'ai que 14 ans. Je la croyais, moi. Après tout, on était un peu dans le même cas. Nicole a fondu en larmes et elle a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. J'ai eu pitié d'elle, j'ai essayé de la réconforter. Calme-toi. Je suis sûre que ton père te sortira d'ici en un rien de temps. Merci, t'es si jeune mais si courageuse. J'ai avoué que j'étais déjà une adulte, même si je ressemblais à une gamine. À partir de ce moment-là, Nicole a commencé à me suivre comme un chiot perdu. Ça me convenait très bien parce qu'elle avait l'air formidable et qu'elle faisait peur aux autres prisonniers. Du temps est passé comme ça. J'ai continué à attendre que mes parents viennent me chercher, mais ils ne sont jamais venus. J'avais peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. Un des gardiens a dit que j'allais passer des années en prison et j'ai réalisé qu'il était temps de sortir de là. Allez Anna, utilise ton cerveau. Comment s'évader de prison? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une ventilation au plafond qui menait à l'extérieur. Exactement ce dont j'avais besoin. Il ne restait plus qu'à trouver comment en sortir. J'ai besoin d'une échelle ou de quelqu'un de très grand. Mes yeux sont tombés sur Nicole. À ce moment-là, elle soulevait un lit lourd, comme s'il ne pesait rien pour ramasser les bonbons qu'elle avait laissés tomber. Waouh, elle était forte comme un bœuf. Je sais qu'il pourrait m'aider. Quand les gardes sont partis déjeuner, j'ai demandé à Nicole de s'occuper de la grille de ventilation et de me soulever. Et si les flics se fâchent? Qu'est-ce que tu dis de ça? Aide-moi
m'échapper, je trouverai ton père et je l'amènerai ici. Elle a hoché la tête et elle a fait ce que j'ai demandé. Quelques minutes plus tard, je rampais déjà dans un conduit de ventilation. J'étais tellement proche que je sentais la liberté. C'est là que j'ai entendu un bruit bizarre derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Nicole. Ne t'énerve pas, Anna, s'il te plaît. J'en ai marre d'être ici. Viens, on s'évade ensemble et je trouverai papa moi-même. Mince! Ça faisait pas partie du plan. Je n'avais pas d'autre choix que d'emmener Nicole avec moi. D'accord, mais il faut qu'on se dépêche avant que les gardes ne remarquent qu'on est parti. Bientôt, on est sorti du bâtiment et on s'est caché dans les buissons les plus proches. On devrait se séparer maintenant, d'accord? Je vais au manoir de mes parents adoptifs et tu devrais rentrer à la maison. Je me suis préparée à courir, mais Nicole m'a attrapé la main et elle a commencé à gémir comme un bébé. J'ai pas comment rentrer chez moi. Et si je me perds à nouveau et que les flics m'attrapent? Aide-moi, Anna! J'ai levé les yeux au ciel et j'ai essayé de vite trouver un plan. D'un côté, j'étais pas la mère de Nicole et j'avais pas à prendre soin d'elle. Mais s'il l'attrapait, elle dirait aux flics où me trouver. Oh, quelle horreur! C'était plus sûr de l'emmener avec moi. On a dû se cacher dans les buissons et se faufiler dans les allées. Mais on a fini par atteindre le manoir de Monsieur et Madame Clark. Mes parents adoptifs étaient choqués de me voir, sans parler de ma nouvelle amie. Ah non? Tu t'es échappée de prison? Ouais, surprise! Pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher? La situation est plus compliquée qu'on ne le pensait. Ils ont dit qu'ils nous cacheraient et qu'ils s'occuperaient de tout. Jerry, va dans ta chambre pour l'instant. On verra ensuite ce qu'il faut faire. J'ai pris la main de Nicole et je l'ai emmenée dans ma chambre. Après m'être changée, je lui ai donné les vêtements de ma mère. C'était les seuls qui lui allaient bien. J'ai l'air d'une vieille femme avec ça! Oh, s'il te plaît, ne recommence pas à pleurer, j'en peux plus! Je lui ai donné de la glace et j'ai mis des dessins animés à la télé. Puis j'ai décidé de parler à mes parents adoptifs. Et j'ai entendu une sirène de police. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les flics se diriger vers notre maison. Mes parents sont entrés dans ma chambre. J'aimais pas la façon dont ils me regardaient. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dénoncé? Tu te crois si intelligente, pas vrai? On savait que tu avais déjà 21 ans dès le début. On t'a entendu parler avec le docteur House. C'est pour ça qu'on t'a adoptée, idiote. Ils m'ont tout dit sur leur plan rusé. Il s'est avéré qu'ils m'avaient piégée. Tout ça parce qu'ils voulaient obtenir de l'argent de l'État en utilisant ma fausse pièce d'identité. Oh, mais vous êtes des escrocs! Encore pire que moi! Et alors, c'est pas comme si tu pouvais y faire quelque chose. Ils sont sortis et ils ont verrouillé la porte pour que je puisse pas m'échapper. Heureusement, Nicole est venue m'aider. Comme un taureau en colère, elle a défoncé la porte et on a couru dehors. Les flics nous ont vus, mais on a réussi à se cacher d'eux dans un parc. Anna, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chut! Il faut que je réfléchisse! J'étais tellement foutue, mais... Je me suis pas apitoyée sur mon sort, non. Contrairement à une certaine personne. Je veux rentrer à la maison! Et manger! Et dormir! Ça m'a frappée comme la foudre! J'aiderais Nicole à rentrer à la maison, et son père serait tellement reconnaissant qu'il me laisserait rester avec eux pendant un certain temps! J'ai demandé à Nicole où elle vivait, mais sa réponse m'a vite arrêtée dans mon élan. Leur maison était loin de la ville. On n'avait pas assez d'argent pour acheter des billets de bus. Et la cerise sur le gâteau, c'était que j'avais l'impression que je pouvais manger un cheval. D'accord, je vais te ramener à la maison. Mais avant ça, il faut qu'on trouve de l'argent. Bien sûr, personne ne m'aurait embauchée, vu que je ressemblais à une gamine. C'était à Nicole de trouver un emploi. On est entré dans un restaurant qui cherchait quelqu'un pour laver la vaisselle. Nicole, essaye d'avoir l'air intelligente. C'est moi qui parle. D'accord, madame. Il ne m'appelle pas comme ça. Je suis allée voir le propriétaire du resto et j'ai dit que ma tante voulait travailler là-bas. Il nous a montré une montagne de vaisselle qui devait être lavée et il est parti. Même si Nicole avait l'air d'une adulte, ce n'était qu'une enfant. Alors j'ai allumé la télé et je l'ai laissé regarder des dessins animés pendant que je me mettais au travail. Oh, le soir, j'étais épuisée, mais au moins on a été payé. On s'est assis à une table dans ce restaurant et je nous ai payé à manger. C'est délicieux. Merci, madame. Je veux dire maman, je veux dire Anna. Elle a éclaté de rire et je me suis sentie bien. Pour une raison quelconque, c'était agréable de me sentir comme une adulte et prendre soin de quelqu'un. Puis, on a vu les infos. Le présentateur parlait d'une évasion de prison. Puis nos photos sont apparues à l'écran. Appelez la police si vous les voyez. Oups, on ne pouvait pas rester au restaurant. J'ai attrapé la main de Nicole et on a couru dans la rue avant que quelqu'un ne nous reconnaisse. En cachant nos visages, on est arrivé à l'arrêt de bus. Heureusement, on avait déjà assez d'argent pour deux billets. Une heure plus tard, on était devant la maison de Nicole. Je vais dire à papa que ma belle-mère a essayé de me laisser à l'orphelinat. Il va devenir fou et la mettre dehors. On est entré. Et Nicole a essayé de serrer son père dans ses bras, mais il s'est éloigné d'elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je ne veux pas te voir chez moi. Il s'est avéré que ça avait été son idée que de laisser Nicole dans un orphelinat. Il avait honte de sa fille inhabituelle. Et il voulait commencer une nouvelle vie avec sa nouvelle femme. Nicole a fondu en larmes et j'ai explosé comme un autocuiseur. Comment t'as pu faire ça à ta propre fille? C'est tellement horrible. T'es qui toi encore? Attends, oh, je t'ai vu à la télé. La police te cherche. Il a dit qu'il appellerait les flics pour me ramener moi et Nicole à l'orphelinat. Alors, ouais, tu l'as deviné. On devait encore courir. J'ai attrapé la main de Nicole et on s'est dépêché de rentrer en ville. Je manquais d'énergie et d'idées. Il faisait nuit dehors. On s'est caché derrière une benne à ordures dans une ruelle et on a décidé d'y passer la nuit. C'est là que j'ai entendu un sifflement familier. J'ai regardé hors de notre cachette et j'ai vu le Dr House. Toc! Mon Dieu, je suis heureuse de te voir! Qui est là? Je te préviens, je fais du karaté. Oh, mon dos! C'est moi, Anna! Oh, eh bien, je n'aurais jamais cru. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il nous a invités chez lui.
On s'est assis dans la cuisine et je lui ai tout raconté de nos aventures. Donc t'as été adoptée par Monsieur et Madame Clark? Je connais ces escrocs. Ils voulaient que je leur falsifie des documents pour qu'ils puissent obtenir une assurance maladie. Mais je les ai virés de mon bureau. Doc m'a dit que mes parents adoptifs avaient fait fortune en escroquant les gens. J'ai souri sournoisement parce que je savais enfin ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai laissé Nicole à l'appartement du Dr House et je me suis mise au travail. Bientôt, j'étais de retour au manoir de mes parents adoptifs. Tu oses revenir? Soit t'es très courageuse, soit t'es extrêmement stupide. J'appelle la police. Si j'étais vous, j'écouterais d'abord mon offre. Je sais que vous êtes des menteurs et que vous aimez l'argent facile. On se ressemble là-dessus. Vous n'avez toujours pas compris? On n'a pas besoin d'être ennemis, travaillons ensemble et volons assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. Au début, ils m'ont regardé choquée, puis ils ont admis qu'ils allaient braquer une banque. D'ailleurs, tes petites mains de bébé pourraient être utiles. Après ça, ils m'ont expliqué tous les détails de leur plan. Eh bien, on dirait que vous avez déjà tout planifié. Il n'y a qu'un seul problème. Quoi? Ça va être compliqué de braquer une banque alors que vous êtes en prison. Je leur ai montré que je portais un micro. La police écoutait notre conversation depuis tout ce temps. Les flics ont vite couru dans le manoir et ils ont menotté mes soi-disant parents. Bon séjour en prison, les gars. Je vais être honnête avec toi. Je t'ai pas tout dit. Après avoir quitté la maison du Dr House, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller au poste de police. Là, j'ai avoué que depuis des années, je faisais semblant d'être un enfant pour vivre sans me soucier du monde. Mais je leur ai aussi dit que je n'avais jamais rien volé et que je pouvais les aider à attraper de vrais criminels. Les flics m'ont mis un micro et ils m'ont envoyé en mission secrète au manoir. Tu sais ce qui s'est passé après. Bientôt, Nicole et moi avons été blanchis de toutes les accusations. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Anna? Tu veux que je te fasse de nouveaux faux documents pour que tu puisses aller dans une autre ville et retourner dans un orphelinat? Non, Doc. Je dois grandir et assumer la responsabilité de ma vie. D'ailleurs, la police a fait l'éloge de mes efforts. Et ils m'ont dit que je pourrais devenir le parfait agent infiltré avec mon apparence. Après tout, personne ne ferait beaucoup attention à une petite fille. J'ai décidé de m'inscrire dans une académie de police. Et bientôt, j'ai trouvé un bon travail à temps partiel. Et j'ai loué mon premier appartement. Anna, je la mets où, cette fleur? Tu peux la mettre dans ta chambre, ma chérie. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'ai adopté Nicole. Je m'étais vraiment attachée à elle. Elle m'a montré à quel point c'était agréable de prendre soin de quelqu'un. Maintenant, on est une famille étrange, mais adorable. Je vous ai apporté un gâteau pour la crémaillère. Oh, j'adore les gâteaux. Nicole, où sont tes manières? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Dr House. Beaucoup mieux. Hé, tu vas vraiment partir de la vidéo sans laisser un like? Je te surveille. Abonne-toi à la chaîne, dis-moi ce que t'as pensé de mon histoire dans les commentaires en dessous. Et je te dis à bientôt. Ciao.